Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un réel privilège pour nous de vous recevoir dans cette émission Nos Expériences où nous accueillons les grands hommes de Dieu. Et ce soir, nous sommes heureux d'accueillir la sœur Agnès Divine, qui est une artiste musicienne qui chante pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, sœur Agnès. Shalom, frère Innocent. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Plaisir à partager. Quand et comment avez-vous rencontré le message de William Marion Branham? Ça fait vraiment très longtemps. Je pense que c'était vers les années 2005. J'avais un camarade de classe qui aimait trop parler de William Branham. Il était le pasteur en classe. Donc je ne connaissais pas ce prophète-là, mais ça a attiré mon attention. J'ai commencé à m'intéresser. Mais qu'est-ce que c'est ça? Branham, c'est qui? Il a donc commencé à venir m'expliquer, oh, c'est un prophète, c'est patati, c'est monté. Bon, au début, franchement, ça ne me disait rien parce que je me disais, oh, vous adorez un homme. S'il faut parler d'un messager aujourd'hui, franchement, c'est un homme que vous adorez. Mais avec, je me rappelle, mais cette année-là, je n'ai même pas cru. Je suis allée à l'église une fois avec lui, mais je n'ai pas cru. Il m'avait donc remis un livre, Un prophète visite l'Afrique du Sud. Il est rentré sur Douala, je suis restée, c'était en Balmayo, je suis restée en Balmayo et j'ai commencé à lire le livre en question. Vu qu'à l'époque j'étais très malade, j'avais une maladie qu'on n'expliquait pas, j'avais souvent mal au ventre et que je n'avais pas pu soigner à l'hôpital ni chez les marabouts comme mes parents et moi nous croyons aux marabouts avant. Alors j'ai lu ce livre-là et une histoire m'a touchée. C'était l'histoire d'une femme qui était tellement malade au point de maigrir, elle n'avait que la peau collée aux os. Et quand le prophète est arrivé en Afrique du Sud, il a prié pour elle, elle a été guérie. Et quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, si cette femme a été guérie, je pense que je serai aussi guérie un jour. C'est ce livre-là vraiment qui m'a convaincue. Je me suis dit, si un homme a pu faire ça, il faudrait bien croire que cet homme-là, c'est un messager de Dieu. Donc c'est vrai qu'auparavant, je partais déjà à l'église pentecôtiste, donc j'avais déjà une certaine foi en Dieu, mais je n'avais pas ce message-là. Et quand j'ai lu vraiment ce livre, j'ai été touchée. Ça a changé ma vie complètement. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur encore une nouvelle fois et j'ai cru à son messager. Donc aujourd'hui, je suis dans l'église du message. Et quand avez-vous pris la décision de vous baptiser? Cette même année, oui, c'était juste en 2005. J'ai commencé à aller à l'église en cachette parce que mes parents ne voulaient pas que j'aille à l'église. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais dû arrêter d'aller chez les pentecôtistes parce qu'ils ne voulaient pas les Alléluia. Donc quand j'ai rencontré le message, j'ai dû commencer à aller à l'église en cachette. Je simulais que je partais étudier et j'allais à l'église. C'est comme ça, donc après peut-être 6 mois, j'ai pris la décision de me baptiser. De me rebaptiser parce que j'étais déjà baptisée chez les pentecôtistes. Mais lorsque j'ai appris que le baptême, le vrai, c'est au nom du Seigneur Jésus, je me suis rebaptisée. D'accord, sœur Agnès. Êtes-vous mariée? Oui. Et pourquoi vous avez choisi de prendre un nom d'artiste, sœur Agnès, ou alors Agnès Divine, plutôt qu'un autre nom? Je m'appelle, mon prénom déjà c'est Agnès et j'ai une charmante petite fille que Dieu m'a donnée qui s'appelle Hope Divine. Donc je me suis dit, il faut pas aller chercher loin, je vais juste coller les deux prénoms. C'est vrai qu'elle aime souvent me charrier que j'ai volé son nom. J'ai juste pris les deux prénoms et puis ça fait Agnès Divine. C'est tout. D'accord. Nous allons faire une courte pause. Satan a voulu tout gâcher. Cette frêle haïssait tellement au point de s'égueuler sa mort. Et tout même j'étais en prison, voyant tous ces
C'est dès l'enfance. Comme je l'ai dit préalablement, j'étais à l'église pentecôtiste. Donc j'allais à l'école du dimanche comme tous les enfants vont à l'école du dimanche. Et puisque j'ai eu une enfance très difficile. Donc dès le début, j'ai commencé à m'attacher à Dieu parce que je trouvais du réconfort à l'église. J'avais des amis à l'église, des enfants comme moi qui aimaient Dieu. Et on avait une monitrice, Tata Régine. Donc elle nous apprenait à chanter, à vocaliser et tout. Et c'est elle donc qui me fait sortir de mes gonds parce que j'étais trop timide. Elle dit un jour, mais toi tu ne chantes jamais, pourquoi tu ne chantes pas? Il faut que tu chantes. Elle me donne une chanson. Et le jour là à l'église, je chante et les gens applaudissent. Et c'est comme ça que je commence donc à m'intéresser à la chanson. Et un jour, je suis en train de dormir, je fais un rêve. Je me vois en train de chanter devant une foule de personnes. Une chanson que je n'avais jamais écoutée. Je me suis dit, tiens, ça c'est quoi? Je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Je me lève de mon sommeil, je cherche le bic et le papier, j'écris. J'écris la chanson, j'écris les paroles et la mélodie reste. Le matin, je me lève et la mélodie est toujours là. Alors, je cours le samedi parce qu'on avait souvent les rendez-vous à l'église, souvent à la réunion. Le samedi, je cours, je dis, c'est comme si j'ai écrit une chanson, Et elle lit, elle dit, waouh, c'est vrai, tu as écrit une chanson. Essaye un peu de chanter, je chante. Et en plus, c'est une belle chanson, waouh. Ok, on va prier le Seigneur, on va voir si c'est vraiment le don. Donc, c'est elle qui commence à m'encourager. Et dès lors, je deviens le leader du groupe parce qu'à l'église, on avait, à part l'école du dimanche, il y avait le groupe Les Messagers du Christ qui chantait souvent. Ok, vous pouvez nous faire un petit extrait de la chanson. Juste un petit extrait. D'accord. Un esprit nouveau est dans mon cœur. Un esprit nouveau est dans mon cœur. Il m'a recréé, Jésus m'a transformé, un esprit nouveau est dans mon cœur. Ok, merci Sœur Agnès, c'est vraiment touchant. Bon, quelles sont les choses qui vous plaisent et celles qui vous déplaisent dans le monde de la musique chrétienne? Et vous pensez apporter quoi comme contribution à cela? Bon, s'il faut parler de la musique chrétienne en général, dans notre pays, le Cameroun, c'est pas quelque chose d'encourageant. On ne peut pas se lever et dire qu'on va faire du gospel en sachant qu'on va gagner quelque chose. Parce que déjà, il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a des gens vraiment qui ne chantent pas de tout leur cœur. Des gens qui viennent juste faire écrire des chansons comme ça, qui se disent on va faire du business. Donc, ce que je voudrais apporter, c'est... déjà vivre la vie de la chanson. Donc quand on chante pour le Seigneur, il faudrait bien qu'on vive ce qu'on chante. Donc je pense que un artiste gospel devrait ressentir ce qu'il chante. L'artiste devrait écrire sa vie. Donc si je peux appeler ça la star mania, comme on dit, devenir une star où on voit la télé, internet et tout le reste, il faudrait bien qu'il y ait un suivi, qu'il y ait une vie qui cadre avec ce qu'on chante. Donc Agnès Divine n'est pas venue s'aventurer dans la chanson. Agnès Divine veut partager son expérience avec les autres. Elle veut pouvoir que le Seigneur, par ses chansons, touche une âme quelque part. C'est un peu ça. Bon, je veux comprendre, votre préoccupation majeure, c'est quoi exactement quand vous chantez? C'est pour être vu de tout le monde ou alors c'est pourquoi exactement? Parce que là, j'ai pas bien compris. C'est pour prêcher l'évangile de Christ en chanson. À travers la musique. Ouais. D'accord, c'est bon. Que ressentez-vous lorsque vous écoutez les autres chanter? Les autres, c'est général. Les autres artistes, musiciens, comme ça. Ouais. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous édifie? Certains, comme je le disais, il y a des aventuriers. Des gens pensent aujourd'hui qu'il faut venir dire Alléluia, Jésus est vivant, on tape les tam-tams et puis les gens dansent et on se dit que c'est ça chanter pour Dieu. Il y a des chansons qui édifient, il y a des chanteurs qui chantent vraiment la parole de Dieu et qui peuvent édifier quelqu'un. Je pense que ça devrait être l'objectif de tout chanteur, de tout artiste gospel. Donc, les grands frères, j'ai des grands frères qui m'édifient beaucoup. J'ai des grands frères au Cameroun comme Calvis Boulouen.
Voilà, il y a des grands frères à l'extérieur comme les Foucault du ciel. Nous avons même à l'église, dans notre église, il y a un papa, pasteur et papa. Il n'est pas connu, c'est vrai, mais c'est un monsieur qui a des textes qui touchent beaucoup. Voilà, il y a le Sivan Akwala et tout le reste. Des chansons qui peuvent vraiment transporter quelqu'un lorsque tu es dans l'angoisse, lorsque tu es dans la peine. Et je pense que le Seigneur se sert de ses enfants, les inspire des chansons pour pouvoir édifier les autres. Je crois que ça devrait être le but de chaque artiste gospel. D'accord. Nous avons remarqué dans la chanson « Tout est possible » une sœur qui portait des boucles d'oreilles avec qui vous étiez en train de bavarder. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai. Elle n'est pas une sœur du message. Je vais d'abord corriger là. Elle n'est pas une sœur du message. Cette fille, c'est juste une amie à moi. C'est aussi une coiffeuse. C'est chez elle que je me coiffe. Alors, pour le tournage de Tout est possible, j'avais prévu tourner ce que pavaient les sœurs. J'ai appelé deux ou trois sœurs. Bon, elles ne sont pas venues. Elles ont décommandé à la dernière minute. Alors, je cours au salon. Je lui dis, Sarriette, s'il te plaît, essaie de me faire quelque chose. Là. Je dois aller tourner le clip. Elle me dit, tu vas tourner le clip. C'est où? Je dis, en ville. Elle me dit, mais il faut, je peux t'accompagner. Je ne fais rien ici. Je vais laisser ma fille ici et puis je vais venir avec toi. Je lui dis, donc, ok, si ça ne te dérange pas, va donc t'habiller et viens me retrouver. On va partir. C'est comme ça qu'elle va s'apprêter. On arrive au lieu du tournage et... Au début, avec le réalisateur, on n'a pas pensé à elle quand on tournait. Donc, je faisais juste des images solo. Il me filmait, je chantais, il me filmait, je chantais. Et alors, je me dis une seconde, mais elle était là, elle arrêtait juste la radio. Et je me suis dit, bon, il faudrait bien qu'on fasse un scénario. Il faudrait bien que je parle à quelqu'un. Cette chanson donne de l'espoir aux gens. Il faudrait bien que je m'adresse à quelqu'un. C'est donc comme ça que je lui dis, est-ce que tu peux venir pour qu'on essaie de faire une scène. Alors, elle s'assoit, il y a un endroit où nous sommes assises, et puis je la tiens par la main, j'essaie de lui parler. Et quand on a commencé ça, franchement, il y avait un feeling. Donc, elle est entrée dans la chanson, c'est comme si cette chanson s'adressait à elle. Du coup, quand on a commencé, ça a changé les choses. Et alors, on s'est dit, waouh, on était en train d'hésiter, pourtant la chose était là. Et vous voyez, vous pouvez témoigner dans le clip, elle est vraiment dans la peau de la chanson. C'est comme si cette chanson s'adressait à elle. Tout est possible. C'est possible d'abandonner tous ces bijoux-là, tous ces trucs qu'on parle, tous ces accessoires qui font croire aux femmes que sans ça, elles ne sont pas belles. C'est possible de tout abandonner. Donc, vous voyez, Dieu a changé vraiment le cours des choses quand on a commencé à tourner. Alors on s'est dit, bingo, ça c'est vraiment ce qu'il fallait. C'est peut-être pour ça que Dieu a fait que les sœurs décommandent et qu'on se retrouve avec une personne comme ça là, pour que cette chanson ait vraiment sa place, voilà, dans les cœurs des gens. Et ça touche beaucoup de personnes quand on voit. Je sais que Dieu utilise cette image pour parler à beaucoup de personnes. Et est-ce qu'après cela, elle a été intéressée, elle a été curieuse de savoir où tu vas à l'église, le message que tu crois? Elle sait très bien le message que je crois. Je ne me gêne pas de le lui rappeler tous les jours. Je sais qu'elle va dans une église et réveillée. Elle me dit souvent, je vais chez le prophète tel, je vais prier. Je lui dis, mets ta foi en ce prophète si tu veux. Et moi, je sais qu'il y a un prophète en qui tu dois croire. Je sais qu'il y a un message pour ce jour. Donc, je laisse le soin au Dieu qui me conduit de la conduire aussi. Et je crois qu'un jour, Dieu touchera son cœur. Bon, sœur Agnès, comment ça se passe avec votre maison de production? Quelles sont vos relations avec vos collaborateurs, vos producteurs? Ça se passe comment? Sincèrement, je suis amie avec tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident de dire qu'on est amie avec son producteur, parce que des producteurs, c'est souvent des personnes trop réservées. Eh bien, c'est le producteur, c'est moi qui suis l'agent. Mais franchement, il n'y a pas cette barrière-là entre nous. J'ai trouvé en ce monsieur un homme simple, un grand frère, un conseiller. Et très tôt, il m'a accepté comme sa petite sœur. Je travaille vraiment en toute aisance avec lui, voilà, en harmonie, et avec les autres en studio. Franchement, ce n'est pas le parfait amour, mais c'est vraiment on peut dire le grand amour. Donc tout va très bien, je m'entends très bien avec le manager et tout le reste. Donc je n'ai pas de problème, franchement. Par la grâce de Dieu, je crois que les choses vont bon train. Et actuellement, vous faites la promotion d'un nouvel album.
Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cet album? Oui, c'est un album qui comporte 10 titres. Dans cet album, j'aborde plusieurs thèmes. Il y a des chansons d'évangélisation, comme le sang de Jésus coule à flot. Voilà. Dans cette chanson, je dis clairement à ceux qui m'écoutent que Dieu a envoyé un message. Il y a une manne pour ce jour. Celle dont vous mangez là, c'est une manne privée. Il y a une manne pour ce jour. Il y a un messager pour ce jour. Alors, il faut croire à ce messager là pour pouvoir entrer dans le feeling de Dieu. Il y a un conseil qui se tient au ciel tous les jours et lui, il a reçu ce conseil-là et il nous l'a donné. Donc, j'évangélise dans cette chanson. Il y a des chansons comme Rempli à bloc, voilà, qui parle du Saint-Esprit. Des gens qui disent que le temps là est passé. Non, c'est pas passé. Nous devons penser que le Saint-Esprit, comme il est descendu le jour de la Pentecôte, est le même aujourd'hui. Donc, ce qu'il a accompli avec Paul, avec Pierre, il peut aussi l'accomplir aujourd'hui pour nous. Nous avons une chanson comme Je serai là. Je serai là, c'est un engagement qu'un chrétien doit prendre vis-à-vis de son Seigneur. Je l'ai pris, cet engagement, parce que je me suis dit, les gens abandonnent souvent Dieu quand ils sont dans la souffrance. Ils se disent que pourquoi, si Dieu était là, pourquoi est-ce que je souffre? Non. Dieu est là quand on souffre, Dieu est là quand on est dans la joie. Alors il faut bien prendre l'engagement devant Dieu de le servir, quoi qu'il arrive. Nous avons Mon Absolu. Cette chanson me parle particulièrement parce que j'étais dans une mauvaise passe. J'essayais de me demander ce qui m'arrivait en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup de problèmes ont surgi et Dieu est venu me dire, je veux être l'absolu dans ta vie. Peut-être tout cela t'arrive parce que tu avais mis ta foi en quelqu'un d'autre, en un homme, peut-être en une idole, je ne sais pas. Mais moi, je suis ton Dieu et je veux être l'absolu dans ta vie. Et ce n'est pas seulement pour Agnès Divine, c'est pour tous les croyants de ce message, c'est pour tous les chrétiens du monde. Il faudrait bien que Dieu soit l'absolu dans chacune de nos vies. Nous avons Il m'a récréé, dont j'ai présenté tout à l'heure. C'est la toute première chanson que j'ai écrite. Et je pense que je dis juste merci à Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque vous venez en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Alors, je dis merci à ce Dieu-là qui a tout refait en moi. Nous avons aussi L'histoire de ma vie. C'est aussi un chant d'évangélisation parce que je crois que quand des gens écoutent la parole, ils se disent, ah, j'ai tué. J'ai commis adultère. Est-ce que ce Dieu-là pourra me pardonner? Un pasteur se tient derrière la chaise et il te dit, quoi que tu aies fait, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Abandonne tout ça et viens à Christ. Tu te demandes comment est-ce que ce Jésus va sauver une pécheresse comme moi? Non. Dieu te dit, mets tes péchés sur mon compte. Moi, je m'occupe du reste. Donc, ne regarde pas à ce que tu fais. Crois seulement et le reste appartient à Dieu. Si tu crois à la parole prendra soin d'enlever tout ce qui est péché dans ta vie. C'est ce que je veux dire au peuple de Dieu à travers cette chanson. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Dieu venait juste répondre à une prière qu'Agnès Divine avait faite. Dieu venait me demander de croire, encore de croire, une fois de plus. Donc, je peux dire que dans cet album, franchement, je veux passer, c'est le message de foi que je passe dans cet album. Parce que rien n'arrive sans la foi. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, si quelqu'un écoute ces chansons, je pense que Dieu, par sa grâce, lui donnera la foi qu'il faut. Nous avons Simbana Songo, c'est un Douala. Au préalable, j'ai écrit cette chanson en français. Bon, comme mon mari est Sawa, voilà, je me suis approchée de ma belle-mère. Je lui ai dit, j'ai écrit une chanson, mais je pense que si je la chante en une langue, elle aura plus d'impact. Alors, j'ai demandé qu'elle me la traduise. Et elle me l'a traduit en Douala. Dans cette chanson, je dis, reviens à ton père, enfant abandonné, enfant de péché. Si tu reviens à ton père, il te redonnera tout ce que tu as perdu. Parce que dès la fondation du monde, ton père est fidèle. Voilà. Donc, c'est ce que je transmets dans cette chanson. Je danse pour Jésus. C'est juste une joie. Un chant de joie, de reconnaissance. Je dis... Je suis sûre d'une chose, c'est que je vais aller à l'enlèvement et Dieu me couronnera. Donc, quand Dieu me couronnera, avec l'humilité dans mon cœur, je redéposerai cette couronne à ses pieds. Je lui dirai, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis vraiment pas digne de porter cette couronne parce que c'est toi qui as tout fait. Et Dieu, sous une forme de bénédiction, c'est un message que beaucoup de personnes ne croient pas parce qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'on peut servir Dieu et souffrir.
les gens. Bon, je vais vous couper un instant sur Agnès. Vous avez dit dans cette chanson, vous dansez. On a remarqué que dans la plupart de vous, vous dansez beaucoup. C'est quoi? C'est l'émotion ou alors c'est la joie de chanter? Qu'est-ce qui vous pousse exactement à danser? Parce que c'est une remarque pratiquement dans toutes les chansons de votre album. Bon, dans tous les clips qui ont déjà été mis à la portée du grand public, vous dansez beaucoup. C'est quoi? Vous êtes emporté par la joie ou c'est l'émotion? J'aimerais bien comprendre. Je pense que c'est juste le caractère d'Agnès Divine. Elle aime beaucoup danser. Elle aime beaucoup danser. Je fais partie de... Je crois aussi que on peut danser pour le Seigneur, mais danser pas comme le monde. Voilà, danser pour le Seigneur, ça veut dire quand on est dans la joie, la Bible le dit, chante un cantique. Donc, et Agnès Divine aime bien danser, alors je ne peux pas me retenir, s'il faut que je danse pour le Dieu qui m'a sauvé. C'est juste, c'est justement ça. Et le dernier titre, c'est Dieu sous une forme de bénédiction. C'est un message vraiment qui n'est pas accepté de tous. Voilà, là encore, une fois de plus, il faut bien croire que William Branham est venu apporter une autre touche à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des pasteurs qui se placent, qui disent que pourquoi je dois souffrir alors que je suis un chrétien? Mon Dieu a l'or et l'argent et tout le reste. C'est vrai, Dieu a l'or et l'argent. Mais qu'est-ce que Job avait fait pour que Dieu l'éprouve? Il n'avait rien fait. Dieu avait juste fait un défi avec Satan. Pour montrer à Satan que j'ai sur la terre des gens qui me servent. Donc, il ne faut pas avoir péché pour que Dieu t'éprouve. Alors, Dieu vient te dire tes épreuves, tes soucis, tes ennuis. Il y a une bénédiction cachée après cela. Si seulement nos yeux spirituels pouvaient être ouverts pour voir la bénédiction de l'Éternel derrière chaque chose qui nous arrive. Donc, j'essaie juste de dire à ceux qui m'écoutent que le Dieu-là n'est pas un Dieu méchant. Mais il aime éprouver ses enfants. Bon, sœur Agnès, quand avez-vous prévu sortir, faire une sortie officielle de l'album? Nous avons pu entendre dans les coulisses que l'album d'ici la fin de l'année sera dans les bacs. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à ce sujet? Oui, déjà, l'album audio est disponible, oui, parce que nous sommes en train de faire des clips. Donc, par la grâce de Dieu, nous prévoyons faire la sortie officielle du DVD en janvier prochain, si Dieu le permet. Mais déjà, depuis le début de cette année, donc 2014, l'album audio a été disponible. Donc, les gens peuvent s'en procurer et puis c'est un peu ça. Et où est-ce qu'on peut trouver? Oui, dans le pays. GK Production, voilà, au Cameroun. GK Production est le distributeur exclusif. Voilà, vous pouvez vous approcher des points de vente de GK Production. Nous avons aussi les radios chrétiennes du Cameroun. Bon, pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez vous procurer cet album à iTunes, dont on télécharge les chansons sans payer. Voilà, on peut aller à iTunes, on télécharge les chansons d'Agnès Divine. Est-ce que la maison de production vous autorise à nous présenter un autre extrait de la chanson, d'une chanson de votre album, bien sûr? Évidemment. Sœur Annie, est-ce que vous gagnez de l'argent lorsque vous vendez vos albums? Est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent pour pouvoir vivre? Vivre de la musique au Cameroun, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. On garde la foi. On garde la foi que par la grâce de Dieu, ça pourra donner quelque chose. Le CD se vend à 1000 francs. S'il faut faire des totaux d'impression, je ne sais pas, s'il faut essayer de voir comment on paye les musiciens, les chœuristes, franchement, ça ne donne pas grand-chose. Donc, on ne peut pas vivre de la vente des CD au Cameroun. On ne peut pas vivre de la musique au Cameroun. Mais je crois que le Seigneur, par sa grâce, permettra que les choses changent. Donc Agnès Divine doit se battre ailleurs pour pouvoir vivre. Ce n'est pas la musique qui fait vivre Agnès Divine. Bon, mais vous profitez quand même quelque chose. Vous avez quand même des petits sous derrière cela. Oui, on vend des CD. On vend des CD.
Mais comme je le disais, quand on finit devant les CD, il faut bien enlever la part de tout un chacun. Alors Agnès Divine va rester avec quoi? Le producteur va gagner quoi? C'est vraiment, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Donc c'est vraiment par amour que quelqu'un peut se lever et chanter pour la gloire de Dieu. C'est par amour, c'est pas parce qu'il attend un salaire ou quoi que ce soit. Surtout que lorsqu'on fait pour Dieu, Dieu bénit. Donc c'est sur la bénédiction de l'Éternel que je compte. La Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Alors pourquoi vous avez décidé de vendre vos albums? C'est vraiment amusant. C'est vrai que Dieu m'a donné la voix gratuitement, je n'ai pas eu à payer. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque je viens au studio et que je dois utiliser les micros, que je dois faire jouer les guitares, un clavier, il faut bien que je donne quelque chose à ces personnes. Donc, si ça ne dépendait que de moi, je pense que je pourrais me placer à un carrefour et chanter, si ça peut bénir tout le monde entier. Mais puisque ce n'est pas comme ça que les choses se passent, il faut bien que ceux qui viennent compléter le don que Dieu m'a donné puissent avoir leur part. Et est-ce que le fait que vous soyez une artiste, ça n'a pas des impacts sur le plan familial, votre mari, vos enfants? Ah, c'est vrai, les choses doivent toujours changer parce que l'emploi du temps est bouleversé. Le mari ne supporte pas toujours que la femme sorte pour aller en studio quand il faut enregistrer tard dans la nuit. Quand il faut peut-être aller chanter quelque part dans la nuit, c'est pas évident, mais on essaie d'y aller mollo, on essaie de converser, de parler, de trouver un terrain d'entente. Donc c'est pas facile. C'est pas facile vraiment. Les enfants peuvent se sentir mis à l'écart parce que maman n'est pas comme ça. Vous avez plusieurs enfants? Non, j'ai une charmante petite fille. Mmh. Voilà. J'ai juste une fille. Donc son papa et elle peuvent se sentir mis à l'écart parce que maman est en studio et maman doit aller chanter. Donc, il faut toujours qu'on essaie de parler, de causer et puis de trouver un terrain d'entente pour que monsieur essaie de laisser la porte ouverte. Donc, c'est pas évident. Et quand vous allez en concert, il ne vous accompagne pas? Ah, c'est pas trop son truc. C'est pas trop son truc. Donc, je crois qu'il me fait juste confiance et il s'est dit que comme elle va aller, elle va juste chanter, elle va revenir. Comment vous trouvez le monde de la musique du message? Quel est votre constat? Comment je trouve le monde de la musique du message? Franchement, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je viens juste d'y entrer et je ne peux pas dire grand chose à propos de cela. Si je peux m'appuyer sur des personnes que j'ai trouvées, je me dis c'est une très bonne chose. Une très bonne chose déjà parce que lorsque beaucoup de gens ne viennent pas dans nos églises pour écouter la prédication du prophète, pour écouter comment les pasteurs parlent du prophète, alors facilement quelqu'un peut acheter un CD et aller chez lui et mettre et écouter. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut. La louange accompagne, la louange élève. Je pense que ça a sa place dans le message. Ce que je déplore, c'est que on essaie de sortir du cadre. Du cadre de comme le prophète avait donné des normes. Donc on essaie un peu de sortir parce qu'il y a des compromis que les uns et les autres font. Mais je prie sincèrement Dieu que par sa grâce je ne puisse pas dévier, que je reste là en gardant les yeux fixés sur l'objectif qui est la louange pour l'Éternel. Bon, maintenant, quel est votre défi majeur en tant que chanteur? Défi majeur. Je pense que si quelqu'un peut écouter une chanson inspirée d'Agnès Divine et donner sa vie au Seigneur, ce sera la meilleure chose. Parce que la Bible dit qu'il y a une joie au ciel quand un seul homme se repent sur la terre. Donc je ne voudrais pas juste que des gens se trémoussent en écoutant Agnès Divine. Je voudrais que quelqu'un s'asseye et qu'il se remette en question après avoir écouté une chanson d'Agnès Divine. Voilà, que Dieu essaie de transformer les vies à travers des chansons qu'il m'inspire. Et qu'avez-vous comme conseil à donner aux jeunes talents, aux jeunes artistes comme vous qui entrent nouvellement dans le monde de la musique chrétienne? Je ne pense pas que je sois mieux placée pour donner des conseils aux jeunes talents parce que moi-même je suis un jeune talent. Mais
si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, je pense qu'il faudrait bien y croire et donner le soin à Dieu de t'accorder sa grâce à son temps voulu. Il ne faut pas se précipiter. Donc, on peut avoir des chansons aujourd'hui en 2014 et laisse aussi en 2025 si le Seigneur t'aide à venir. Voilà, il faudrait bien patienter et prier. Et surtout se rassurer que cela vient de Dieu. Parce que le diable a été le chantre de l'Éternel au ciel. Donc, il peut aussi venir te souffler des choses. Il faut vraiment prier et attendre le temps de Dieu. Merci, Sœur Agnès, d'avoir répondu à nos questions. C'est... C'était vraiment des moments très agréables. Que Dieu vous bénisse richement. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission et je profite pour remercier toute l'équipe de production, la maison de production aussi de la Sœur Agnès, qui a bien voulu nous accorder un entretien avec elle dans notre émission, nos expériences. Que Dieu vous bénisse richement. Des afflictions, ma sœur. C'est Dieu sous une forme de bénédiction. Des afflictions, mon ami. C'est Dieu sous une forme de bénédiction. Est-ce que ta famille t'a rejeté? Tes enfants sont-ils tous rebelles? Ton mariage est-il un échec? Et tu ne sais plus quoi faire de ta vie? Laisse-moi te dire toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que tu saches, oh ma sœur, Jésus n'est pas l'auteur de ta frustration. Tes épreuves, tes soucis, tes ennuis, mon frère. C'est Dieu sous une forme de bénédiction. Tes afflictions, ma sœur. C'est Dieu sous une forme de bénédiction. Tes afflictions, mon ami. C'est Dieu sous une forme de bénédiction. Il donne à Satan la permission de nous brusculer de toutes les manières et attendre.
temps de voir si jusqu'au bout nous resterons fidèles à sa parole. Tes afflictions, c'est Dieu. Tes problèmes, c'est Dieu. Tes épreuves, c'est Dieu. Tes afflictions, c'est Dieu. Et tes soucis, c'est Dieu. Tes pleurs, c'est Dieu. Tes angoisses, c'est Dieu. Tes problèmes, c'est Dieu. Sous une forme de bénédiction, c'est Dieu. Tes angoisses, c'est Dieu.